Oh, je te dis où tu vas le regretter. Je veux pas travailler. Quoi? Je veux pas travailler. Oh, tu veux pas travailler? Non, mais tu te prends à l'hôtel ou comment ça se passe là? Je garde Edith ce soir. Je la garde. Mais tu gardes rien du tout. Didine, allez, ouvre-moi. Il y a ton légionnaire ce soir. Je m'en moque. C'est un menteur. Il me raconte que des histoires. Alors maintenant, Titine, tu arrêtes ça. Tu sors ou tu vas te retrouver à la rue, tu sauras même pas comment ça t'est arrivé. J'en ai marre de tes simagrées. Bon. J'ouvre mon papa d'histoire. J'arrive pas à croire que tu reprends le métier, toi. La petite va voir du pays. Allez, attends. Et nous sommes sur l'aéroport d'Orly où les premiers passagers commencent à descendre de l'appareil. Et là, je l'aperçois, c'est elle. Et pour ça, mes enfants, je me lève. Allez, aide-moi, toi. Je voudrais qu'on traîne tous à Marguerite. Mon compositeur est ma plus grande et plus fidèle amie dans ce métier. On ne peut pas rougir comme ça, Maguite. Tu vas nous faire pleurer. Tu veux ma photo? Non, je préfère pas. Gazeux et alcoolisé, ça, tout ce qui vous fait du bien. Encore un coup de Claude. Ah, tu me les brises à la fin, Loulou. Ça faisait un an que j'avais parmi les pieds à Paris. On a fait la fête, hein, quand c'est tout. Puis fais pas ton amoureux transi, va. J'attends quelqu'un, inutile de t'étaler. Je vous signale que vous avez des engagements. Vous n'êtes pas seul. Tu te souviens comment j'ai été nippée le premier soir au Vernise? Hein? Une clocharde. Et elle me regardait comme si j'étais une princesse. Mais tu étais une princesse, ma princesse. À Marguerite. Allez, à Marguerite. Porte un toast à ceux qui attendent de me voir chuter. À ceux qui me croient dupe. Santé. Il y a un problème, Louis? T'inquiète, monsieur fait sa crise. Tu nous laisses, on a fait.
vous, la Monde Piaf. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Dans 3 mois, tu ne t'appelleras plus la Monde. Fini les colifichets de cabaret. Il avait de grands yeux très clairs, parfois passent des éclairs, comme au ciel passent des orages. Il avait plein de tatouages. Comme au ciel passent des orages. Articule. Reprends. Il avait des grands yeux très clairs, ou parfois passent des éclairs. Il avait deux grands yeux très clairs. Tu comprends ce que tu chantes ou tu fais juste des sons? Tu veux quoi? Une articulation parfaite. Ça n'existe pas, chante comme je parle. Mal. Tu écorches les mots. Et tu ne comprends rien à ce que tu chantes. Plus lentement, Marguerite. Ça fait plus de 6 heures qu'on travaille, on pourra au moins ouvrir la fenêtre. On soufflera plus tard. Reprends. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent des orages. Non, tu ne m'écoutes pas! Tu n'incarnes rien! Tu dois devenir cette femme amoureuse. Pense comme une actrice. De moi. On est fatigué, Raymond. On a besoin d'une pause. J'ai l'impression de ne plus savoir chanter avec lui. Et qui t'aime? T'as chanté où? Ne te contente pas de ce que tu sais faire. Je chante depuis que j'ai 9 ans. On ne sait rien. T'inquiète pas, c'est normal. T'as jamais fait ça, c'est difficile. Tu vas devenir une interprète. Tu sais ce que ça veut dire? Vivre la chanson. Personne ne m'a jamais dit que j'articulais pas. Personne? De qui parles-tu? Des paratineurs du Gernise? Des passants dans la rue? Soit tu fais ce que je te dis, soit tu retournes d'où tu viens. Théo va arriver dans moins d'une heure. Quel est votre plus beau souvenir du métier? Chaque fois que le rideau se lève. Votre plus beau souvenir de femme? Le premier baiser. Aimez-vous la nuit? Oui, avec beaucoup de lumière. L'aube? Avec un piano et des amis. Le soir? Parce que pour nous, c'est l'aube. Tu vois, tu respires. Je ne peux plus reculer. Je peux plus.